Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 2 de Mass Effect 2. Il est minuit 32, on est le 28 décembre 2014. Oui, c'est bientôt le nouvel an. Et je galère encore avec les touches. Je m'y fasse vraiment, pas si changer, parce qu'il y a tellement de jeux auxquels je joue. Oui, j'allume mon micro, je sais même pas quoi. On s'est fait repérer. C'est toute la station qui grouille de méca. Je fais ce que je peux. Ah la vache, merde. J'ai galéré. On recharge. Continuez d'avancer vers la salle de contrôle. Surtout ne vous arrêtez pas. Je vais voir ce que je peux faire. Alors on est avec le copain, je sais plus comment il s'appelle. Est-ce qu'on voit son nom? On voit pas son nom. Je sais plus son nom. Ok. Et je flippe carrément en fait ici. Oh non, ils m'ont repéré! À l'aide! Wilson! Wilson, vous m'entendez? Salle des serveurs B! Vite! Ils sont incontrôlables! Montez, Shepard! Je suis touché! Ils m'ont eu! Oh non! Pas Wilson! Je sais pas c'est qui. Ok, un serveur. Un portable de Cerberus. Personnalité. Si nous modifions l'identité d'une façon ou d'une autre, ou s'il n'est plus que l'ombre de lui-même, le projet Lazare aura échoué. J'ai bien l'intention d'éviter ça. Voilà, plus ou moins, je suis carrément pareil. Hein? J'ai repris tout pareil. Shepard, pas ici! Ok. Ces salopards m'ont touché à la jambe! Wilson, je me souviens de vous. Pas du tout. Donc non, partons d'ici. Il faut partir d'ici au plus vite. Je peux pas bouger avec ma jambe dans cet état! Il devrait y avoir du Medigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez me chercher du Medigel dans la salle des premiers soins. Ah, on y est. Deux doses. J'ai réussi à me perdre. Wilson est blessé, il a besoin d'aide. Espèce. Ouais. Accéder au menu autorité, d'accord. Ah, Medigel. Ah. Utiliser clic gauche, utiliser. J'ai pas compris, mais ça fonctionne. Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. On est quitte, Tom. Je pensais que je pourrais désactiver les mechas, mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mécas de sécurité? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus. Comment vous expliquez ça? Je ne vous connais pas encore. Pour moi, vous êtes des inconnus. Attendons d'être en lieu sûr pour savoir qui a fait quoi. D'accord, Shepard. Il faut qu'on retrouve Miranda. On ne peut pas la laisser là. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mechas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'il est. Il faut plus qu'une bande de mechas pour arrêter Miranda, non? Ah oui? Et où est-elle alors? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter? Pour moi, il n'y a que deux explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. On verra bien. Je la connais pas depuis assez longtemps pour lui faire confiance. Je suis d'accord. Ce projet tenait particulièrement à cœur à Miranda. Elle ne l'aurait jamais sabotée. Je la connais pas, moi. Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre peau. La baie d'embarquement est juste... Eh, merde! Oh, merde. On peut lancer une surcharge sur les conteneurs pour se frayer un chemin jusqu'aux navettes. Ou faire du headshot. Cible éliminée. Oh, GG. Pour atteindre les navettes le plus rapide, on va tirer là-dessus. Ça aurait fait surcharge, mais de toute façon on peut le faire, d'accord. On recule les gars. Bon, sauf si vous voulez manger. Ben, je sais pas. On va accéder au menu autorité. Ah oui. Télékinésie. Surcharge. Voilà. Okay. On se tire d'ici. Faut vraiment que je m'y fasse. Bon,
On les a abattus, mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance ? C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais s'il s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, le programme qui vous a reconstruit, est fondé et contrôlé par Cerberus. Je connais pas. Moi, à part si c'est le Capitaine Anderson... C'est censé me dire quelque chose ? Vous ne devez pas être tout à fait rétabli. Vous avez eu des démêlés avec Cerberus, oui. Selon l'Alliance, nous sommes un groupuscule radical pro-humain. Vous avez nettoyé plusieurs de nos bases de recherche. Mais les temps changent. D'accord. L'Alliance vous a déclaré mort. Vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serais méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. L'homme trouble. L'homme trouble. C'est lui qui tire les ficelles ? Ouais, bien sûr, c'est pas son vrai nom. Personne ne sait qui il est vraiment. C'était le nom de code que l'Alliance employait. Et c'est resté. Il a intérêt à me répondre. Son nom, je m'en fous. Je veux juste qu'il réponde à mes questions. À toutes mes questions. Voilà, il a investi beaucoup de temps et d'argent pour vous remettre sur pied. Data part. Ah, du piratage. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Accès non autorisé. Je n'ai pas compris. J'ai raté le data part. Cibler. Segment CD. D'accord, ah d'accord. Ok, je commence à comprendre. On gagne des points, non ? Comment ça se passe ? Je sais pas ce qu'il faut faire, alors... Ah bah d'accord. Ok. Je n'ai pas compris. Pas tout. Ok, on commence. Toute une tentative. Qu'est-ce que... Ah d'accord. Il y a du verre. Ah d'accord, je cible ce segment. Putain, la vache, ça va, ça va. C'est pas sympa. Ah, il est là. Il est là. Et... il est là. D'accord, il en faut combien ? Merde. Vers... Là. D'accord, j'ai mis carrément du temps à comprendre. D'accord. Ok. Bon, ça va, vous m'excusez, monsieur, quand même. Moi, je suis en fin de soirée. Je suis fatigué. Non, je suis pas fatigué. Ils nous ont vus. Et sans déconner, je m'avais dit oh, encore, tiens. Ouais. Ok, je ne m'améliore pas. Je peux me servir de mes potes. C'est fermé. Vite, avancez. On est presque arrivé au... Miranda. Mais vous... Oh putain. Morte. Morte ? Bordel, mais qu'est-ce que vous faites ?
mon travail. Wilson était un traître. On peut plus interroger. Vous auriez dû le prendre vivant pour l'interroger. Trop risqué. J'ai investi trop de temps et d'efforts pour mettre votre vie en jeu. Vous pensez vraiment que Wilson en est capable ? Plus maintenant. Non, pour moi il mentait pas, je sais pas. Agir dans les règles, ça. Même si vous êtes sûr, est-ce qu'il méritait cet accueil ? Ouais, non. Il a saboté les systèmes de sécurité, tué mes hommes, et il nous aurait tués aussi s'il avait pu. Vous en êtes sûr, Miranda ? Ça fait des années qu'on connaît Wilson. Et si vous vous êtes trompé ? Je ne me trompe jamais. Je pensais que vous l'aviez compris depuis le temps, Jacob. Ouais, maintenant ? Si vous le dites. Alors, quelle est la prochaine étape ? On monte dans la navette et on s'en va. Mon chef veut vous parler. L'homme trouble, vous voulez dire ? Je sais que vous travaillez pour Cerberus. Ah, Jacob. J'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté. Ce n'est pas en mentant au commandant qu'on va l'inciter à nous aider. Bon, eh bien, quitte à jouer franc jeu, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte, commandant ? Carrément. J'en ai carrément plein. Pendant l'attaque. Vous avez eu de la chance de vous pointer juste au moment où on partait. Qu'est-ce que vous foutiez pendant l'attaque ? À part essayer de vous sauver la vie ? Wilson a compris que je vous aidais, et il a envoyé une armée de mecha m'éliminer. Je suis arrivé là dès que j'ai pu, sans doute un peu trop tôt, de l'avis de Wilson. D'accord. D'autres survivants ? Et le reste des habitants de cette station ? On est dans la zone d'évacuation. S'ils ne sont pas encore là, ils ne le seront jamais. Et pourquoi il y en a peut-être qu'on survit ? On ne peut pas partir sans en être sûr. Il faut qu'on retourne voir. Vous ne comprenez pas. Il n'y a qu'une personne qui vaille la peine d'être sauvée, et c'est vous. Elle a raison. On connaissait tous les risques quand on s'est enrôlé. Sans vous, tout ça ne rime à rien. Ouais, mais bon. Ouais. Et on va où ? Où est-ce qu'on va ? Dans une autre base de Cerberus. L'homme trouble vous y attend. Ok, et si je refuse ? C'est très bonne question, ça. Je ne suis pas sûr de vous faire confiance. C'est la seule navette en partance. Si vous tenez à moisir ici avec les mechas, faites donc. Ouais. Et c'est quoi le projet Lazare ? C'est vous qui supervisiez le projet Lazare, n'est-ce pas ? En effet, j'ai consacré 2 ans de ma vie à ce projet. À vous. Pourquoi ? Putain, c'est des questions que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que Cerberus veut de moi ? Vous n'aurez qu'à demander à l'homme trouble quand vous le verrez. Il a débloqué des ressources quasiment illimitées pour Lazare. Manifestement, il a des projets pour vous. Ok, est-ce que je peux encore enquêter ? Non. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Je serais bien allé sauver quelques citoyens, quand même. Je ne veux plus voir cette station de ma vie. De vos vies, en l'occurrence. Oh, c'est beau, ça. Et oui, je suis un chat. Moi, je veux le Normandie. Je veux retrouver mes potes, en fait. Je veux le Normandie 2. Joker, est-ce qu'il va bien ? Tali. C'était qui, aussi ? Avant que vous ne rencontriez l'homme trouble, nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition. Quoi ? Encore des tests ? Vous avez vu comment Shepard a détruit ses mechas, non ? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? 2 ans se sont écoulés depuis l'attaque. L'homme trouble doit s'assurer que la mémoire et la personnalité de Shepard n'ont pas été altérées. Posez-lui les questions. 2 ans... Quoi ? 2 ans ? Si longtemps que ça ? 2 ans et 12 jours, pour être exact. Et vous avez passé la plupart du temps sur une table d'opération. Parfait. Dans ce cas, ce ne sera pas très long. Commençons par votre histoire personnelle. Ah oui. D'accord, allons-y. D'après les archives, vous êtes né sur Terre. Pas de parents. Ouais, vous avez grandi dans la rue. Ouais. Ensuite, vous êtes entré dans l'armée et vous avez gagné votre première médaille pendant le Raid Skylien. Vous vous en souvenez ? Je n'avais pas le choix, c'est parce que je ne voulais pas perdre. Je ne voulais pas perdre. Et comment ? Je n'allais pas fuir devant ces salopards d'esclavagistes. C'est ce ma vraie histoire. Ce que vous avez fait là, c'est vraiment incroyable. J'ai des amis qui y étaient. Alors Miranda, ça vous suffit ? Non. Presque. Je dois encore vérifier les souvenirs récents. Sur Virmir, lorsque vous avez détruit l'usine de clonage de Saren, un membre de votre équipe est mort dans l'explosion. Le lieutenant Kaidan Alenko est mort au combat. Pourquoi l'avez-vous abandonné ? C'était un choix difficile. Ah ouais, c'était un choix très difficile. Vous croyez peut-être que c'était facile ? J'ai dû faire un choix et j'ai choisi de sacrifier une vie pour en sauver plusieurs millions. Kaidan n'est pas mort pour rien. Sans lui, on n'aurait jamais pu arrêter Saren. C'est beau. Je ne vous juge pas, commandant.
On sait tous que cette usine de clonage devait être détruite. Réfléchissez, Shepard. Le Conseil est mort dans la destruction du Destiny Ascension. Vous avez tué sa reine. Et ensuite, que s'est-il passé ? Anderson dirige le Conseil. Mais oui, Anderson ! Lina, c'est une vieille pute. Anderson m'a toujours aidé. C'est Anderson. Les humains ont accédé au pouvoir et formé un nouveau Conseil. J'ai recommandé le capitaine Anderson pour le diriger. Eh bien, le capitaine Anderson est devenu le conseiller Anderson. Mais je crois qu'il préférait la vie militaire. Ouais. Peut-être bien, mais moi ça me rassure de savoir qu'un type comme lui siège au Conseil. Bon, votre mémoire ne semble pas affectée. Nous allons pouvoir passer au test sup. On n'a pas le temps, Miranda. Ouf. La tête va bien, le physique va bien. Pas besoin de faire d'autres tests. Oui, vous avez raison. Espérons que l'homme trouble soit du même avis. Ouais, alors les questions, heureusement que je les ai fait il n'y a pas longtemps tout ça, parce que ça aurait été super difficile pour moi. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Voilà, et franchement, c'est impressionnant c'est impressionnant, c'est super qu'on ait récupéré vraiment notre histoire à nous. Si vous regardez l'épisode 1 de Mass Effect 1, il vient de redire l'histoire qu'on a passée. Voilà. À votre place, je ne ferai pas attendre l'homme trouble. Bah, ceci c'est Anderson, je m'en fous un petit peu. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Ah, personnaliser l'équipement. Armure. Ouais, non, on va pas mettre de... Qu'est-ce que... N7. Ah, j'aime bien celui-là, avec l'aspirateur. Je m'en fous un peu. Torse, on n'a pas d'autre. Spalier. Ah, c'est super chiant pour descendre. Matériaux, qu'est-ce que ceci ? Alors, c'est écrit où qu'on fait ? Notre matériau. Et ben voilà, coloration. J'aime beaucoup, ça fait... Ouais, ça fait un peu Iron Man. Le noir me plaît beaucoup, par contre. Oh bah, celui aussi. Coloration 2. C'est quoi ? Le rouge me plaît là. Le rouge foncé me plaît beaucoup. Le rouge foncé me plaît beaucoup. Motif. Oula, ça fait beaucoup là. À la limite, ça c'est bien. Couleur de motif. On va le foncer un peu si on peut. Voilà, le fer un peu plus discret. Voilà, donc là on a nouveau stuff. Je trouve ça super sympa de pouvoir changer son stuff. On va pas le faire attendre, mais on le fait carrément attendre, cet enfoiré. Enfin, je dis enfoiré en fait, mais je sais pas qui c'est. Ça, si c'était un ancien membre de mon équipage, ça, ou le capitaine Anderson, je n'en ai rien à carrer. Et j'aimerais bien qu'on puisse me réparer en fait. Mais oui, c'est toi, donc je m'en fous en fait. Pour l'instant, je ne sais pas qui tu es, donc je ne sais pas. Monsieur l'homme trouble, je pensais qu'on se rencontrerait face à face. Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. Vous ne me connaissez pas. C'est à vous que je dois la vie, d'accord. Mais je ne vous fais pas confiance pour autant. Il est temps de mettre de côté ses sentiments personnels. L'humanité fait face à la plus grande menace de sa brève existence. Les moissonneurs. Je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte. Comment vous sentez-vous ? Vous n'êtes pas mon ami, mais je suis d'accord. Vous allez devoir gagner le droit de me poser ce genre de questions. Oui. Cerberus n'est pas le monstre que vous pensez. Nous sommes du même bord, vous et moi. Nos méthodes divergent, voilà tout. Ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants ? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Saren, en quelque sorte. Putain, non. Vous en avez été témoin. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Ouais. Je suis un outil, en fait. Enquêtons. Qu'est-ce que Cerberus, ouais ? Ça ne ressemble pas à Cerberus de s'engager dans une guerre. Quel est votre but, au juste ? Nous avons à cœur les intérêts et la préservation de l'humanité.
Si les moissonneurs cherchent à nous anéantir, nous en particulier, Cerberus les en empêchera. Si nous attendons que les politiciens ou l'Alliance décident à agir, il ne restera plus de colonies à l'humanité. Par où commence-t-on ? Si vous en avez après les moissonneurs, dites-moi quoi faire et je vous suis. Miranda craignait que vous soyez peu coopératif. Il est rare qu'elle se trompe. Non. Moi, je voulais pas. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvement. Miranda et Jacob vont vous briefer. Je vais leur faire confiance, mais évidemment que je vais leur faire confiance. Il va me dire que oui, j'ai le choix. Il va me dire que non. Je trouverais ça épeuve, ça fait trop, ouais. Ça fait trop, je suis à tes ordres. Je ne t'aime pas pour l'instant. Même si tu m'as reconstruit, c'est pour. C'est par principe, c'est par besoin. D'accord, c'est ça. Alors, j'ai le choix. Vous voulez que je me porte volontaire ou vous me forcez à l'être? Vous avez toujours le choix, Shepard. Si vous ne trouvez pas les preuves que nous cherchons tous deux, nos chemins pourront toujours se séparer. Mais d'abord, allez sur Freedom's Progress. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez. Qui est à l'origine de ces enlèvements? Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs? Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. Commando. Ah, j'ai des points de commando. J'en ai pris plein en plus. Pour améliorer, ok. Tout le résumé. Alors, je suis plutôt conciliation. Mais là, je pense que je vais partir vers le pragmatisme. Acheter un grade. Comment ça se passe maintenant? Munition cryo, charge onde de choc, maîtrise de combat rapproché. Munition incendiaire. Annuler. Ici cryo, coût 1 point. Et ici cryo, mon nombre de points. 4, ah d'accord, j'ai pas vu 4 là. Si je passe à 4, munition incendiaire. D'accord, 2. Et ça coûte 3, d'accord. On annule. On annule. On peut annuler? Non, on peut pas annuler. Charge, qu'est-ce que la charge? Le champ gravitationnel qui vous entoure vous projette violemment contre un ennemi. Une infligeant à ses dégâts, ok. Onde de choc, je peux l'avoir. Vous lancez devant vous un passage de champ gravitationnel consécutif renversant violemment tous les ennemis qui vous font face. Ça me plaît assez. Télékinésie. Un champ gravitationnel, ok. Maîtrise du combat rapproché, c'est pour le cake. Je vais augmenter déjà un petit peu le cac. Je vais faire une onde de choc. Je ne peux pas. Du coup, un point. Pourquoi je ne peux pas avoir l'onde de choc? Parce qu'il faut que j'ai la charge, non? Nécessite, c'est pas écrit quoi? Nécessite charge 2. D'accord. Ah, ben voilà. Et télékinésie nécessite onde de choc 2. Je ne peux pas parce qu'il nécessite quoi? Une élevage des points que j'ai pu en fait. Ok. C'est super difficile. Et on va s'arrêter là-dessus d'ailleurs. On a fait le chargement. Donc j'ai fait mes deux premières sauvegardes. Je fais la sauvegarde pour l'épisode 3. Hop. Et je vous donne rendez-vous pour la suite. Ah, je pense que là c'est. L'histoire me plaît beaucoup. Ça retrace. Ça reprend vraiment la première histoire. J'ai l'impression que j'ai un grain que je ne trouve pas. Donc il est franchement pas mal. Je trouve super sympa. Voilà. Donc moi je vous donne rendez-vous pour la suite. Allez, ciao tout le monde. Ouss.